Alors, je vais prendre cette commande pour exploiter le SUID. Avec ça, du coup, normalement, je devrais pouvoir escaper le flux usuel d'exécution pour passer sur un flux non usuel, c'est-à-dire exécuter un shell avec les droits du binaire, c'est-à-dire root, et c'est le cas. Alors on n'est pas root, on a le EUID root et le EGID root, c'est-à-dire qu'on... Notre UID c'est bien nous-mêmes, mais on a le effective UID root. Thank you, chess. Are you playing chess, chess? I like chess too. I have 1000 elo on chess.com for info, if you like playing chess. So I'm quite a newbie still for now. Bon, ben on est route. Alors je lance le scan un peu plus large. Pendant ce temps, on lit ce qui s'est passé. Donc on a un port 21 FTP, très intéressant. 303, il me semble que c'est pas vulnérable. Il y a une version qui est hautement vulnérable, c'est-à-dire remote code exécution non authentifié. Donc je vais faire un search exploit. C'est pro FTPD, c'est ça? VSFTPD. VSFTPD. 303, il y a un déni de service à distance. 303, malheureusement, on ne veut pas faire du déni de service, ça n'a aucun intérêt. On a un port 80, mais il est fermé. Donc le pare-feu a explicitement fermé ce port-là, explicitement, pour pas qu'on puisse y accéder. On a un Anonymous FTP login qui est autorisé. Super, intéressant. Bon, qu'est-ce qu'ils entendent? Ah oui, d'accord. Sans doute qu'on aura un autre port qui va s'afficher avec l'autre scan. Il vient tout juste de terminer. Ok, donc là il y a trois ports accessibles. Ah, c'est marrant, le HTTP est devenu open maintenant. Va savoir. Mais comment ça se fait qu'ils aient accepté ma réponse où j'ai dit 2? Ah oui, c'était en dessous de 1000. Donc coïncidence. Enfin, pas coïncidence, nous on avait effectivement deux ports. Donc ça correspond avec la réponse. Je m'en mêle un peu les pinceaux, mais on a un SSH sur le port 2222. Un port un peu caché, au-dessus de 1000 du coup. Et donc c'est ça la réponse qu'ils attendent, SSH. Donc, deux ports ouverts. Effectivement, je voulais dire deux ports accessibles éventuellement, mais deux ports ouverts. Donc il s'agit 2222, SSH... et HTTP. Et 21. Bon, on va pas les noter. Deux ports, trois ports ouverts. Trois ports ouverts. Alors, quelle est la CVE que vous avez utilisée contre l'application? Alors, ben, on va voir. Hein. Je vais pas utiliser une attaque sur VSFTP, ça n'a pas d'intérêt. Sur le Nmap, à part FTP, on avait HTTP. Et SSH. On va pas utiliser une CVE sur OpenSSH. Bon, il nous reste que HTTP. On va regarder un peu HTTP. Ah, c'est intéressant, on a une IPv6 là. Bon, en tout cas, on avait une fausse alerte tout à l'heure. Le port est bien ouvert. Donc, je vais faire un... Je vais naviguer dessus, sur le site. On a du Apache, it works. Mais on n'a rien dessus. Donc, c'est une page par défaut. Il n'a pas été désactivé, qui nous donne un peu d'infos. On voit que c'est du Ubuntu, on voit que c'est du Apache 2. Mais on ne peut pas aller bien plus loin. Du coup, il nous faut faire du GoBuster. Et que je redirige les erreurs pour ne pas les afficher. On le verra un peu plus proprement, mais il y a Simple ici. Et ça me rappelle quelque chose, Simple. Ça me rappelle un CMS. Bon, je le vois plus là, mais il va s'afficher par là. Voilà, simple. J'avais mis des retours à la ligne pour afficher plus proprement. Donc simple, qu'est-ce qui se passe si on va sur slash simple? J'espère qu'il se passe des choses. Je vais peut-être couper le GoBuster parce que je pense qu'il bouffe tellement de threads que...
que ça fait ramer. Ah, simple. CMS, CMS made simple. Home, comment marche le CMS, etc. Faster, easier, etc. Si je vais dans Searchploit et que je tape CMS, CMS made simple. Yes. Maintenant, à quelle version on est? Ça, c'est une bonne question. Alors, Webalizer détecte du PHP. Il détecte CMS made simple. Mais il ne détecte pas la version actuelle. 2.2.4. On me dit dans le chat. Comment tu sais ça? Est-ce que le Nmap l'avait détecté? Non. Tiens, d'ailleurs, il y a un truc bizarre à regarder plus tard, là. Comment on sait que c'est du 2.2.4? Ah, 2.2.8. Dommage. TTP. CMS made simple 2.2.8. Ah, tu as mal lu. Bah, t'as eu le temps de le lire. Déjà, c'est pas mal, parce que je l'ai défilé vite. Et c'est étonnant que t'aies réussi à le lire. Bien joué, du coup. C'est sympa, ça veut dire que tu suis. Tu suis bien, d'ailleurs. Alors, quel CV on va utiliser? Je pense, du coup, que maintenant, on devrait pouvoir trouver notre bonheur sur 2.2.8. 2.2.8. Ici, c'est pas vulne, mais ici, ça doit être vulne. Ici, là. Tout ce qui est inférieur à 2.2.10. Je pense que je peux taper aussi CMS Made Simple 2.2.8. Et parfois, ça marche. Ça dépend des mots-clés. Donc là, on le voit au propre. Donc, on a une SQL injection. Si je fais searchploit-x pour explorer de ce chemin, je cherche une CVE et effectivement, c'est cette CVE-là qui date de 2019. Est-ce que je peux dire ça comme réponse? Submit. Yes. Alors, quelle est la vulnérabilité? Quel est le genre de vulnérabilité? J'ai envie de dire SQL injection, injection SQL, SQLi, on dit des fois. Et c'était ça la réponse. C'était quoi l'indice? Vous pouvez utiliser ça pour craquer le password. Ah. Ah oui, quel est le password? Bon, on est allé un peu trop vite en besogne. Il faut... Bon, maintenant utiliser l'exploit. Du coup, alors, comment il marche? Voyons un peu. Parse, donc il y a une SQL injection quelque part. Donc il fait... l'adresse IP, crack password. En gros, il va récupérer le mot de passe du CMS, de l'administrateur du CMS Made Simple, grâce à une injection SQL qui se trouve ici. Donc ça, c'est le payload. Ok. J'ai pas bien vu où se situait la vulne, mais faut jeter du SQL dans le payload. Ok. Parseur. Écoutez, je vais juste l'exécuter. Alors, je vais faire un searchploit-m pour le copier. Enfin, -m, je pense que ça veut dire miroir. Ou move peut-être, et on l'a ici. Du coup, je vais le renommer, je vais l'appeler exploit.py, comme ça c'est facile à retenir. Python 3 de exploit.py, il comprend pas, c'est du Python 2 du coup. Il comprend, il dit qu'il y a un problème parce qu'il n'y a pas le module termcolor, donc je vais faire pip2 install termcolor déjà. Edit exploit et on va essayer d'enlever termcolor. Alors termcolor import colored, donc il faudra enlever colored. Je sais pas. Alors si on enlève termcolor ici, on enlève termcolor ici,
Tac, je fais un petit contrôle F cprint, comme ça on les verra bien. Mais genre ça là, print, c'est quoi ça? C'est de la couleur ça. On va voir si ça passe. Je remplace tous les cprint par print. Try value red bold. Bold, je me demande si c'est pas encore des trucs de mise en forme avec term color peut-être. Je pense pas qu'on puisse faire un print avec ces paramètres là. Bold output green, donc je vais enlever ça. Remplacer ces print. Ah oui, juste. Ok, bon. Je pensais enlever ça et faire juste print output, mais dans le chat on me dit qu'a priori ça passe comme ça. Donc je vais faire un petit contrôle H, c'est print, remplace par print. Allez, on remplace tout. Salut Jumox, ça se passe bien, ouais. Là on est en train de débugger un petit script Python 2 parce que j'ai du mal à installer un module parce que mon pip 2 a l'air broken. Du coup, on est en train d'essayer de modifier le code pour pas qu'il implémente ce module qui est buggé, qui est broken en fait. J'ai du mal à s'installer. Regarde, il n'y a pas de chose qui n'est... Et c'était un module pour de la couleur, donc on s'en fiche un petit peu. Beautify, machin. Je pense que c'est bon, hein. Ah, print colored, encore. Ben, pas colored, du coup, print tout court. Et est-ce qu'il y a le mot colored quelque part encore? Colored... Non, il n'y a plus. Voilà. Donc je pense que c'est bon. On va voir ça. Si je fais save et que je fais Python 2 de exploit. Eh oui, dans le chat on m'avait dit que... Ah oui, ligne 180, il y avait un souci. 181. On me dit qu'il y avait un souci ligne 80, 181, mais c'était effectivement pas le seul souci. Ok. Là. Bon. Alors. J'ai eu un souci du même genre récemment. J'ai simplement copié le fichier P3 vers le répertoire de P2.7. Juste un print output. Oui, oui, ça c'est ce que je comptais faire tout à l'heure. Mais on m'avait insisté dans le chat comme quoi c'était pas nécessaire. Alors. Maintenant je sais plus où c'est. Celui-là. Bold. On s'en fiche de bold. Alors c'est tout ce qui est ATRS là. On cherche ATRS. Ok. ATRS. Voilà. Donc ici on fait juste print output. Ici on fait juste try value type plus value. Ok. Et celui-là on enlève. On fait juste print output. On veut pas de couleur. Je pense que là on est bon. Relativement. On est pas mal. Python 2 exploit. C'est pas mal. C'est pas mal, on est bon là. No cracking password, with cracking password. Donc nous on va le faire. Donc ça va attaquer l'URL cible. Ça va essayer de récupérer le password et le craquer en live. Donc ça c'est l'adresse IP cible. --crack-w user share word list rockyou. Il a trouvé le salt du password, il a trouvé un username, on le laisse travailler. Alors, je pense que c'est le même, c'est simple.ctf. Un souci là avec le script, j'ai l'impression. Déjà salt found et il affiche rien, username found et il affiche rien. Je pense qu'il y a un souci. Et je me demande si c'est parce qu'il n'y a pas dans l'URL, là on n'a pas mis slash simple. Donc il ne sait pas où est le CMS. Je vais essayer avec slash simple. Et ça marche vachement mieux. Ça marche vachement mieux. Donc c'était ça qui allait pas. C'est simple. Parce qu'il faut bien qu'on précise le CMS quand même. Enfin, le chemin du CMS. Si on précise pas, ben on se retrouve pas sur le CMS. On se retrouve sur Apache. Il n'y a rien ici. Donc il faut aller sur simple. Logique. Logique, mais voilà. Faut pas se faire avoir. Donc là, ça marche bien. Là, il chope un H. Il va nous le craquer. Donc toi tu dis qu'en gros il suffisait de l'installer sur Python 3 et de juste le déplacer. Dans Python 2 il est rétrocompatible apparemment. Ok. Étonnant.
Alors, ah oui, d'accord. Le mot en clair, c'est secret. C'est le mot de passe, en fait. D'accord, donc, bon, ben voilà. C'est bon, hein. Exploit un user et un password. Donc, maintenant, j'imagine, il y a un répertoire d'admin, un truc comme ça. Voilà, slash admin. Sinon, on aurait pu faire un petit GoBuster ici. Alors, Mitch. Et le mot de passe, c'est secret. Et ça a marché. C'est MS made simple. On a eu le password, c'était secret. On va faire ça dans l'ordre quand même. Alors, est-ce que tu... où est-ce que tu peux te connecter avec les credentials? Ben, sur CMS. Incorrect. Quel est le flag user? Alors, je me demande si c'est pas SSH du coup, plutôt. SSH? Ok. Ouais, SSH, c'est bien ça. Silver Ray, c'est ça. Maintenant, donc c'était les ports qui étaient 2222, je crois. 2222. Alors, il y avait pas. Ouais, il y avait un port FTP. Il y avait un port 2222, donc. Si je me connecte en SSH, le user c'est mitch.lip. Préciser le port 2222. C'est 2222, du coup, ouais. Parce qu'on avait un port 21, c'était FTP. On avait un port 80, HTTP, et on avait un port 2222. Et ici, on a du SSH sur 2222. Un port non standard, du coup. Le password, c'est secret. Est-ce que ça marche? Ça marche. On est logué, on est le user. PWD, on est Mitch. On peut accéder au flag. Alors, cat user.txt. Good job, keep up. C'est le flag, ça? What's... Ouais, c'est ça le flag. Submit. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un autre user dans le home directory? Ben, on va aller dans home, on va voir. Oui, il y a Sunbath. Oui, c'est Sunbath. Est-ce que tu peux spawn un shell privilégié? Bah, peut-être. On sait pas. J'ai envie de faire un sudo -l déjà. Ouais, sudo su, c'est pas mal, mais ça marchera pas. En fait, sudo -l, c'est mieux de faire ça parce que tu verras tout de suite si t'es capable de faire sudo su ou faire autre chose. Et là, en l'occurrence, on peut pas faire sudo su, mais on peut lancer sudo user bin vim. Et ça, c'est ultra dangereux. On peut avoir un shell avec ça. Là, on a lancé vim. En tant que root, est-ce que vous vous souvenez de la syntaxe? Quelqu'un se souvient de la syntaxe dans le chat? J'ai lancé vim là, je fais deux points wq pour sauvegarder ou q point d'exclamation pour quitter sans sauvegarder. Mais je fais quoi pour... Ah, bien joué Jumox. C'est pas comme ça que je fais, mais ça va marcher ton truc, je crois. Alors, pour rappel, il suffit d'aller sur GTFO bins. GTFO qui veut dire get the fuck out. Bins, donc comment sortir de cette prison, sortir du jail que ce à quoi nous limitent les binaires, notamment vim. Et vim, il y a plein de choses avec. Ici, on a en sudo. Donc on garde sudo, et ici dans sudo on a plusieurs méthodes. Moi ce que j'aime bien faire, c'est... Je vais faire ma méthode, je sais plus, ça fait longtemps que je vois plus du vim. Je vais le lancer comme ça. Je vais faire deux points. Attendez, j'ai mon bouton qui est un peu... Voilà. Au lieu de faire deux points quelque chose, je vais faire deux points, point d'exclamation, bash. Juste ça, deux points, point d'exclamation, bash. Et je suis route. Ah, je suis route. Ça marche, c'est stylé. Exit, je vais pas le faire comme ça du coup. De point Q, point d'exclamation. Clear. Cette fois, je vais faire la commande qui était marquée là. Et c'était celle de Jumox.
C'est ça, Jumox, non? Voyons. C'est ça, ouais. Ouais, tac. C'est celui-là. Donc là, ça veut juste dire... voilà. C'est pareil. ID. Donc ça marche bien. Et donc, on peut afficher le flag. 4route.txt. Well done, you've made it. Donc bien joué. Assez facile, VIM, hein, finalement. Il y a quoi? Il y a deux commandes à connaître. 2.wq pour write and quit. Et 2.q.exclamation pour quitter sans sauvegarder. Moi, c'est, j'utilise que ça. Hein. Après, oui, tu peux faire slash toto pour chercher le mot toto, puis faire n pour dire next. On s'en sert pas souvent. Enfin, si vraiment je veux faire de la manip un peu détaillée avec des regex et tout, je le lance dans gedit et c'est bon. Bon. Est-ce qu'on valide les points là? Oui. Alors j'ai pas du tout fait dans l'ordre du coup. Can you leverage to spawn a shell? Yes. C'est ça? Ah non, what can you? Ok, VIM. Ok, c'est bon. C'est à Bounty Hacker. Alors l'adresse IP ça sera celle-ci. On va faire ce petit scan de port. Je dis petit mais c'est un bon gros scan. Je vais le lancer dans l'onglet Nmap plutôt, comme ça on se perd pas. Mettons que tu vaquais le compte Facebook de quelqu'un. Tu vas certainement pas cibler les serveurs Facebook. Tu vas plutôt cibler le quelqu'un. C'est assez facile de hacker quelqu'un, en tout cas si c'est quelqu'un de non averti. De non, non sensibilisé quoi. Newbie quoi. Alors, on a du VSFTPD 3.0.3. On avait tapé ça dans Searchsploit tout à l'heure. On avait vu que c'était vulnérable, mais à une attaque de type déni de service. Et le déni de service ne nous intéresse pas puisque... Bah, on veut pas faire planter l'appli, on veut la compromettre. On a quelque chose qui ressemble plutôt à une adresse IPv6. Donc on pourrait imaginer du bypass de pare-feu, mais a priori on n'a pas de port closed. Donc on a juste trois ports ouverts et le pare-feu nous interdit rien de spécifique. On a un port 22, donc SSH, avec une version relativement OK, avec Ubuntu, un port 80. A priori, il n'y a rien d'intéressant si ce n'est le port 80, donc on va aller sauter dessus direct. Ok, cool. C'est quoi, c'est Dragon Ball Z? Non, pas du tout. Je connais pas ce manga. Je connais pas cet anime. Je sais pas ce que c'est ça. Crew.jpg. Bon, je connais pas. Bon, déjà du directory listing. Mais bon, il n'y a rien ici. Je vais, bon, première chose, je vais faire un GoBuster. Comme ça, ça mouline pendant qu'on parle et qu'on regarde à la main. Je vais regarder juste si l'appli, c'est quoi, du PHP, du Apache. Je vais me permettre peut-être de rajouter un tirex pour dire les extensions. Je vais dire PHP et PHTML, disons. Voilà, bon, ça trouve du HTML déjà. Sans doute, Cowboy Bishop, ça doit être l'anime du coup. J'ai envie de récupérer cette image, de la télécharger et de regarder dans les headers JPEG si jamais on peut pas voir l'auteur du dans les metadatas du fichier, si on peut pas voir l'auteur de l'image. Wget de ça du coup, crew.jpg, ls. Et je vais faire un... Je vais faire un strings, mais bon, je vais faire un... exif. Exif, donc ça va regarder les metadata. Et je peux faire aussi un exif tool. C'est un peu différent, ça ne regarde les metadata JPEG. Ça va regarder le header gfif, qui est un header où on stocke en général des commentaires JPEG. Après, effectivement, il faut connaître un petit peu le format JPEG. Adobe Photoshop, ça a été fait avec Adobe Photoshop CC sous Windows. Ok, bon, rien ici. A priori, on a rien. Mais c'est intéressant à regarder. C'est intéressant à regarder. Des fois aussi, dans les metadatas, on a ce genre d'infos utiles. Ici, on voit que ça a été modifié en juin 2020. Le fait qu'on sache que ça a été modifié en juin 2020, ça peut... Ah, merci pour le follow. Merci Silver Ray pour le follow. C'est gentil, c'est cool. C'est super utile ça en fait, ça paraît anodin comme ça, mais on peut littéralement deviner quand a été instanciée la machine.
on peut savoir si ça a été mis à jour récemment ou pas, par exemple. Des fichiers qui existent. Ah, merci pour le follow. Ravencrest. C'est sympa. Et mais attendez, on a combien de followers là? Ah ben, merci Yachef. Ben, je crois que c'est bon. J'allais dire, on va atteindre les 50 followers et je crois que c'est bon. On atteint les 50 followers là. Merci de pas unfollow. Ce sera gentil. Au pire, enfin, c'est pas bien grave. Followez si vous aimez. Ah, ben, merci Boblop. Boblop, c'est sympa pour le follow. C'est gentil. Eh ben, quelle série, dis donc. Sacrée série, hein. C'est gentil. Alors, et ouais, 50, c'est cool. Et j'avais dit qu'il n'y avait que HTTP d'intéressant. Et effectivement, FTPD n'est pas vulnérable. Mais je suis allé un peu trop vite en besogne, surtout qu'il y a du Anonymous FTP Login Allowed. Ça veut dire qu'on peut s'authentifier sur FTP sans compte en Anonymous. Et on a peut-être espoir de pouvoir lister des fichiers, mais c'est pas sûr. FTP de l'IP. Le user, ça sera Anonymous. Et le password, on met ce qu'on veut. Ah non. Login successful, il a même pas demandé le password. Dire. On a des choses. Déjà, on a tasks. Je vais faire un prompt off. Recurse on. Non, recurse on, ça n'existe pas. Et je vais faire get. Mget étoile. Mget étoile, ça veut dire. Non, c'est get étoile, non? Get étoile. Get étoile. Non, mget étoile. Ouais, c'est ça. Donc, mget, ça veut dire massive get. Étoile, sinon il faudrait faire get un fichier. Mget, c'est pour pouvoir préciser plusieurs fichiers, donc je fais étoile. Et j'ai fait prompt off pour pas qu'il me demande de confirmation à chaque fichier. S'il y avait 300 fichiers, il m'aurait demandé 300 fois la confirmation yes, yes, yes. D'où l'utilité de faire prompt off, en tout cas de connaître. On quitte FTP, on a pu récupérer deux fichiers, donc on va afficher, qui a été rédigé par Lynn, et on a logs. Donc c'était ça qu'il fallait faire. C'est Lynn qui a écrit le fichier tasks. Oui. Quel service on peut brute forcer avec le fichier texte qui a été trouvé? Cat. Locks. Ok, dans Locks, on a un dictionnaire de password en fait. Quel service on peut brute forcer? Ben, plusieurs. On peut brute forcer FTP. On peut brute forcer SSH. C'est sur trois lettres les deux, on va dire FTP. C'est pas ça, on va dire SSH. C'est ça. Quel est le mot de passe du user? Donc ben là avec le peu d'infos qu'on a, user c'est Lynn et password ben on sait pas encore. Mais c'est forcément d'après ce qu'on comprend un des fichiers du enfin un des mots du dictionnaire. Alors, du coup, je vais faire un brute force SSH. Pour faire un brute force SSH, je vais taper dans... Je vais utiliser Hydra. Hydra, SSH, brute force. Brute. On cherche une ligne de commande qui va bien, et celui-là nous va très bien. Copier-coller. Hydra-L pour dire le login. Minuscule, ça veut dire qu'on précise le username manuellement. Si c'est -L majuscule... On va préciser un dictionnaire de usernames. Donc là, le user, c'est Lynn. Et tiré P, ben, c'est en minuscule, ça veut dire un mot de passe précis. Mais nous, on veut faire tiré P en majuscule pour préciser un dictionnaire. Et donc, le fichier, c'est log.txt. On veut faire ça sur l'adresse IP cible. Tiré T4, c'est pour dire 4 threads. SSH, 4 threads, ça me paraît bien. Et on va lancer ça. Alors, il y a un petit souci. Password not found. Le fichier n'a pas été trouvé. Ah oui, c'est logs avec un S. Ah, merci Yachef. Bon, on l'a vu en même temps. Mais bien vu. C'est très difficile de rester concentré et de streamer en même temps tout en expliquant ce qu'on fait. Ça demande pas mal de concentration. Mais bon, je vais faire plus attention. Donc, on a réussi à récupérer le password. C'est bon, c'est celui-là. Donc... pour le challenge, on va dire que le password on l'a trouvé. Il nous dit que c'est bien celui-là. Maintenant, on veut user.txt puis root.txt. Ok, il nous laisse un petit peu en plan, du coup, on se débrouille pour la suite. SSH. Lynn, donc username, arrobas
l'IP cible, celle-ci, suivi du mot de passe, celui-là. On se connecte en SSH, on fait yes, et on utilise ce mot de passe. C'est très lent, ça marche, mais c'est très lent. Bon, je pense qu'il y a eu un petit coup de lag, ça devrait le faire. On a le flag user déjà, GG tout le monde déjà, mais on n'est pas root, donc pas assez GG. On veut plus de droits. Bon, première chose qu'on va faire en général, c'est faire un history pour voir un peu l'historique. Parce qu'on veut faire ça en fait avant de polluer l'historique. Parce que dès qu'on va taper des commandes, on va commencer à, vous savez, à retirer des commandes quoi, à polluer. Notre historique sudo-l, c'est la seconde chose que je fais tout le temps. Le password, ben c'est celui-là. Il nous demande le password, on l'a. Et bingo, il y a quelque chose de très intéressant. On a un sudo tar bintar. Allez, gtfo bins. Et on va regarder donc la référence pour tar. Et il y est. Parce que s'il n'y était pas, j'aurais eu l'air bête. Il fallait chercher une autre piste s'il n'y était pas. Mais bon, ça aurait été un peu bizarre qu'il crée cette règle sudo si elle n'est pas là pour être exploitée, quoi. Alors nous, il est sudo, donc tac, sudo, je copie-colle ça. Normalement, ça devrait nous passer route. Easy. Alors, on va faire slash bin slash tar. On va utiliser le nom complet pour être sûr. Et on va faire ça. Et voilà, on est route. Cat slash route slash route.txt. Bingo, bounty hacker. Facile, non? C'est clair, non? C'est limpide. GG. Merci et GG tout le monde. Ça flag ce soir. Et comment on fait task? Ah, c'est rigolo ça. C'est pas une machine. C'est du OSINT, vraiment du OSINT. Cool. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ça me manquait un peu, je suis content de faire un petit chal de OSINT. Ah, elle est chiante. Ah merde. Moi j'aime bien le OSINT, on va voir si c'est aussi pénible pour moi. On va enregistrer ça. On va l'enregistrer dans WorkDir. Voilà, exif. Exif, déjà. Pas de exif data. Exif tool. Exif tool. Et le header gfif contient souvent des données intéressantes. Déjà, j'ai des coordonnées GPS. GPS latitude, GPS longitude. Très intéressant. Et c'est à peu près tout. Copyright ou Food Flint. Ou Food Flint. J'ai envie de garder ces deux données. Ces deux infos. La première chose à faire quand on a un JPEG, en général, c'est de voir à quoi ressemble l'image quand même, hein. J'ai un peu bypassé, mais voilà. Donc c'est un écran d'accueil Windows XP. J'ai envie... Alors là, je bascule mon écran. Parce que je peux voir des reliefs de contraste en faisant ça quand on a un écran style laptop. On peut le voir, sinon il faut le passer sous un éditeur d'image pour révéler des choses. Mais je m'égare puisque c'est pas de la stéganographie là. J'aime beaucoup la stéganographie, mais c'en est pas. Là, on est dans l'OSINT. Pareil, j'aime bien le forensic. On pourrait faire un binwalk ou un foremost. Mais ça ne servira à rien, normalement. Puisqu'on n'est pas en train de faire du forensic ni de la stéganographie. Okay. Je vais faire un binwalk quand même, au cas où. Normalement, ça n'a aucun sens, puisque c'est de l'OSINT et pas du... Enfin, moi, je pense clairement qu'il faut regarder les coordonnées GPS, quoi. Copyright, ouais, c'est rien ça. Et binwalk, et c'est tout, hein. Un strings peut-être. Voilà. Y a rien. Pour voir les chaînes de caractères. Un petit foremost, moi j'aime beaucoup ce tool. Quand on fait un foremost, ça crée un dossier output. On va dedans, dans output, ls. On va dans jpg. Voilà. Donc si jamais dans JPG il y avait plusieurs images, ça voudrait dire qu'il y aurait plusieurs images concaténées en une seule,
on aurait peut-être pu trouver un dossier zip s'il y avait un point zip, etc. Rn-rf output. Clear ls. Ok. On est bon et je vois pas d'autres pistes si ce n'est la GPS, les coordonnées GPS. On va chercher là-dedans. Alors j'ai envie de chercher où foot Flint quand même. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Dans Google. Où foot Flint? On a un Twitter. On a un GitHub. Écoutez, je vais ouvrir... Oula. J'allais dire je vais ouvrir tout ce que je vois, mais... ça, je suis tombé sur un... la soluce du challenge, je crois. Donc je vais pas cliquer sur celui-là. Je vais pas cliquer sur celui-là. Ouais, ça suffira. Alors, on a un Twitter, il s'appelle OFootFlint. I like taking photos on open source projects. Je pense que c'est ça le challenge. Il a tweeté Hello World et un BSSID, Go Nuts. Je pense que c'est par là qu'il faut chercher. En plus, tu avais parlé de ESSID. Bon, ça confirme. Alors, quel est l'avatar cat? C'est un chat. It's a cat. Comme ma chaîne. Tout le monde aime les chats. Qui n'aime pas les chats? What city is this person in? Dans quelle ville il est? Location, il a mis space. Bon, je suppose que c'est pas ça la réponse attendue, mais je vais mettre. Pas ça. Ça, c'est pour nous troller. Il a un GitHub aussi. Salut, je suis from London. Bon, ben... Bon, c'est du OSINT très facile, hein, pour l'instant. Ah. Ah, merde. Bon, c'est là-haut qu'il fallait taper ça. Ok. Hint, il y avait un hint. BSSID plus Wiggle... .net, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, il fallait chercher le mot BSSID et Wiggle.net, mais bon, j'ai pas eu besoin de faire ça. Hein. Bon. Quel est le SSID de WAP? Web Application... WAP? Web Application Proxy? Web... Wide Area... Je sais pas. Bon, quel est le... Ah oui! WAP. Wireless Access Point. Oui, SSID. SSID. Wireless Access Point. Pour le Wi-Fi, le wireless, évidemment. Donc, Wireless Access Point. Alors, quel est le SSID du WAP auquel il est connecté? Ben, BSSID. Alors, je sais plus ce que veut dire le B, mais en gros, moi, je retiens, il y a le BSSID et le ESSID. BSSID, c'est comme Base SSID, et en général ça veut dire base, c'est genre le routeur quoi. Et ESSID, c'est le nom du Wi-Fi, il me semble. Bon, il est sur le BSSID, ça, donc le SSID sur lequel il est connecté, je pense que c'est ça. Incorrect. Si j'enlève les deux points. Incorrect. Donc je pense qu'il faut le nom, genre le ESSID. Eh bien écoutez, je vais taper la définition de SSID, hein, ça va nous expliquer un peu mieux. Qu'est-ce que le SSID d'un réseau Wi-Fi? Le SSID, c'est le Service Set Identifier, c'est tout simplement le nom du réseau Wi-Fi. Bon, j'étais sur la bonne piste, avec du guessing. Alors, from my house, I can get free Wi-Fi. Le SSID, nanana, Go Nuts. C'est peut-être Go Nuts, le nom. Go Nuts, ça veut dire éclatez-vous, mais... Donc... En gros, ce serait pas ça, mais admettons, on sait jamais. Alors, c'était pas ça. Sur son GitHub, hello, je suis de London, j'aime prendre des photos. C'est un. Mon projet va bientôt commencer. On a une adresse mail aussi. Écoutez, je vais commencer à noter les infos qu'on a. Info sur la cible. On a son Twitter. On a son GitHub. On a... C'est quoi ça? C'est un blog? On a un blog. On a... I'm in New York right now. D'accord. Blog 1 WordPress. On avait quoi d'autre? On avait une adresse mail. À Gmail. C'est utile ça. Quelle est son adresse... Ah bon. Bon, on a son adresse mail personnelle déjà. On peut répondre à cette question-là. Quel site avez-vous trouvé
sur quel site avez-vous trouvé cette adresse mail? Ben sur GitHub, je crois. GitHub. Et où est-ce qu'il est parti en holidays? Bah à New York. Et quel est son mot de passe? Tiens, on voit qu'il s'appelle Oliver Woodflynn. D'accord, donc on a son prénom, non? Oliver Woodflynn. C'est ça, O Woodflynn, en fait, c'est Oliver Woodflynn. Je vais afficher les commentaires. Peut-être qu'il y a des commentaires. Genting watches. You're so screwed now, gotcha. Interesting. Il y a un truc en bas 64 là. Je vais taper bas 64 décodeur. Online. Décode. Give wiggle.net a try. Non, j'ai pas envie. C'est des indices en fait. Thank you for your advice. Ce sont des indices pour le challenge. Ah, et il y a un gros bas 64 là. Là, il dit quoi? Doesn't take you to location after filter. Ouais. Bon, je vais regarder sur wiggle.net puisqu'ils insistent avec ce site. Ça doit être un site qui permet de chercher des gens. Ah, d'accord. C'est pas ça. C'est pour mapper. C'est une carte qui répertorie une base de données de toutes les bornes Wi-Fi qui sont accessibles. C'est du warp driving, ce qu'on appelle des warp drivers, net stumblers and net huggers. Du Mox qui dit tu vas comprendre. Ça me plaît. On n'aura pas stagné trop longtemps du coup. Alors wiggle.net, ouais, c'est un site du coup où on va répertorier toutes les wifi qu'on a craquées ou qui se seraient déjà ouvert sans mot de passe, des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle du warp driving. Parce qu'en gros, on conduit une voiture et on craque des wifi au fur et à mesure qu'on roule. Et comme ça, on chope des wifi. Et on les offre, enfin on les met à disposition sur une grosse base. Et donc moi je pense qu'on pourrait taper le BSSID ici et faire un search filter. Il est à New York ou à London? Ah d'accord, c'est comme ça que ça marche. Ah à Londres, effectivement il y a le BSSID ici. Il y a un truc vert là, enfin violet. Un truc violet. Comment je clique? Est-ce que je veux cliquer? Peut-être qu'il y a moyen de cliquer dessus. Basic search. Ah, il faut se loguer. Bon, tant pis hein. Alors après, si jamais on a la flemme de créer un compte, petite astuce, bug me not. Bug me not. Pas sûr que ça marche, mais on va voir. Bug me not. Je veux un compte pour le site www.wiggle.net. Je tape ça dans bug me not. Et il y a un truc à 75% de chance de marcher avec ce user et ce password. Ce user, on va essayer de se loguer avec. Et ce password, on va essayer de se loguer avec. Sign in. Ça a marché, on est logué. Donc ça c'est un site pour quand on a la flemme de créer un compte. Ou quand on a... quand on veut gagner du temps. Et c'était où? Dans Search, dans Tools, Basic Search. Maintenant je pourrais faire de la Basic Search avec le BSSID celui-ci. Est-ce que ce search a l'air de marcher peut-être mieux, non? Basic search, c'est un affichage un peu différent. Alors, je suis pentester, oui. À mon compte, non.
Alors, il veut pas afficher l'info, hein. C'est pénible, hein. Celle? Non, le Wi-Fi qu'on veut. Et si je fais Advanced Search? Advanced? Je cherche ce BSSID là. Query? Ah! SSID Agile Wi-Fi. Agile Wi-Fi. Attendez, j'ai mal tapé l'adresse MAC, non? C'était .41. Oui, c'était .41. J'avais essayé .40 pour... Oh là là. Mais ce search-là marche. C'est Advanced Search qu'il fallait faire. Du coup, il fallait créer un compte, effectivement. Unilever Wi-Fi. Voilà. Unilever Wi-Fi. Bon, ben... On l'aura fait proprement, finalement. On aura réussi à le faire propre. Bingo. Et quel est le password de cette personne? Contrôle A, sinon. C'est ça? Ah, purée. C'est pas de l'osint, ça. C'est vraiment ridicule, quoi. Il y a un truc, il y a du texte écrit blanc sur blanc. Vous voyez, là? C'est blanc sur blanc, quoi. Mais c'est quoi ce guessing? C'est quoi ce challenge? Ok, bon, ouais. C'était plus dans le but de jouer avec une énigme, quoi. De se poser des énigmes, quoi. Bon. Cette victoire me laisse un goût amer. Me laisse un goût amer dans la bouche. Mais bon, c'est une victoire quand même. Crack the hash. On a du hash 4, John the Ripper, du cracking. Compléter le niveau 1. Il faut craquer des hash. Ok. Donc pour ça, ce que je peux faire, c'est hash ID déjà. Alors hash ID. Il dit qu'il croit que... Bon, c'est nul hash ID. Je vais faire un echo-n du hash. Je vais piper dans word count-c pour compter le nombre de caractères. Il y en a 32. Un truc qui vaut 32 caractères sous format hexadécimal, c'est-à-dire que ça vaut 16 octets. C'est du MD5 très souvent. Donc on peut faire John the Ripper, sinon il y a un truc qu'on peut faire, c'est taper dans Google le hash. On va tomber sur des sites où il y a des Rainbow Table déjà faites, et le mot de passe c'est easy. Donc easy. On va ensuite copier-coller ce hash dans Google. Ça sera plus rapide que le craquer. Hashtoolkit.com. Il y a la version reversée de ça. C'est password 123. Donc password 123. Ça va vite, hein, quand on a ça, quand on a Google. Hein. Hashtoolkit qui a déjà craqué ce hash. C'est du SHA-256. Oui, je tape tout dans CrackStation. Sinon, oui, CrackStation, très bon site. Let me in. L'avantage de Google, c'est qu'il va... Il va craquer tout ce qui se trouverait sur CrackStation, mais et autres encore. Alors ça marche moins bien, ce genre de format de hash, je pense. Il faudra le passer sous John the Ripper, je pense. Et là, je vais tomber sur des write-ups. Donc là, on va faire ça à la main, du coup, sur celui-là. On va appeler crackme.txt. On va l'écrire dedans. On va mettre un user devant parce que John, il aime bien ça comme ça. Moi, j'aime bien utiliser John. Parce que je suis dans une VM et je pense pas que les drivers VMware supportent la GPU. Donc de toute façon, moi je vais utiliser la wordlist. User chair wordlists roq.txt. Et pendant que ça craque, je vais peut-être chercher le futur hash. Ça, c'est un autre hash. Je vais le taper dans Google. Ou CrackStation, tiens, je vais vous montrer CrackStation, du coup j'en profite. CrackStation, il est bien parce qu'il supporte plein de formats de hash. Je suis pas un robot. Je vais taper ça dans Google le temps que ça charge le captcha. Crack. Bah il a craqué, c'est Eternity 22. Bon ben voilà. Et l'autre qu'on a lancé avec John the Ripper en background, il est toujours en cours. Oula, c'est très long. C'est quoi? C'est du Blowfish.
Là, on a $2Y, c'est pour préciser que c'est du Blowfish. Ensuite, on a $12. C'est pour préciser le salt, je pense. Et le hash. Hash cat, list, hashes. Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà. Et là, je vais taper bcrypt. $A2. Moi, je cherche $A. Non, $2Y. Ah bon? Je trouve pas. Si j'envoie ça dans HID, qu'est-ce qu'il dit? HID. Unknown hash. Oui, mais il gère mal les dollars. Les symboles dollars. Faut mettre entre simple quotes. Blowfish OpenBSD. Vault Lab Burning. Ou bcrypt. Bon, on va dire que c'est du bcrypt sans doute. Alors voici un exemple de bcrypt MD5. Ça fait à peu près la même taille. Crypt SHA1. Ça fait à peu près la même taille. C'est très long. Je vais utiliser un autre dico, peut-être un dico très petit. User chair avec la word list égale stupid ones in production. Ok, on a fait le tour du dico et c'était pas là-dedans. Top 10 des passwords. C'est pas là-dedans. Top 100. Si c'est pas là-dedans, on utilisera quoi? 2020 most used passwords. Les 200 plus utilisés. Pas mal ça. Il n'y a toujours pas. C'est des common credentials. ls-alt-s. Best 15. Non. Les 20 H, les 20 passwords SSH les plus communs. Top password shortlist. Non. Best 110. Les 500 pires mots de passe. Si je fais ça. Ah oui! On sait que le mot de passe fait 4 caractères parce qu'ils nous le disent ici. 4 caractères. Donc effectivement, on peut faire des filtres. Soit on utilise RockYou et on filtre pour uniquement les mots qui contiennent 4 caractères. Ou alors on utilise un masque. Pour 4 caractères alphabétiques. In length, max length 4. Donc on veut que des lettres alphabétiques. Ah oui, mais je les veux que en minuscules, moi. Lower, c'est ça, lower. Voilà, lower. Donc je veux que des lettres en minuscules. Et que 4 caractères minimum, que 4 caractères maximum pour craquer ça. Combien de temps il met là, John the Ripper, si on fait ça? Ça reste long, hein? Ça reste long. Mais c'est pas mal. Ah, il a réussi. Bon. Blé. Le mot de passe, c'est blé. Bon, voilà. On voit tout de suite les limites, en vrai, de ce qu'on vient de faire. Parce que là, on nous a littéralement dit, comme il y a 4 étoiles, on nous a littéralement dit que ça faisait 4 caractères. Le hint, il nous dit que c'est en minuscule, ça nous aide encore un peu. En vérité, dans la vraie vie, on nous donne pas autant d'infos, ou on a rarement l'opportunité d'avoir ce genre d'infos. Et donc, il y a un niveau 2. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir une grosse machine à calculer, quoi. Alors, on peut essayer de craquer ça. Crackstation, je vais rester sur Crackstation, voir. Sinon on va juste afficher la solution, ça sert à rien. Le but c'est de voir la démarche. Ok, Crackstation il craque très bien. Le résultat c'est Paul. Paul. Super. Est-ce que Crackstation craque ça aussi? On lui donne à manger ce qu'on veut en fait. Ouais. Crackstation est vraiment bien. Il craque quoi en fait? Ah oui, tout ça. LM, NTLM, M2, MD2, MD4, MD5, MD5X, MD5. Alors, le nouveau H c'est ça.
salt, a really hard salt. Donc il nous donne le salt. Mais il est là, là. A really hard salt. Je vais faire ça, je vais rajouter un tiré tiré min length. Après, on sait que c'est juste une question de temps en vrai. C'est juste une histoire de timing. Hein. 3, 4, 5, 6 caractères. 6 égale 6. Et max length aussi. Tiré tiré max length égale 6. Ça lui fait pas gagner un peu du temps ça? Pas beaucoup, hein. Un peu. Ah oui, ça c'est un MD5 salté, j'imagine. Le tout dernier. Pendant ce temps, on va regarder le dernier. Echo-N du dernier H, qui est celui-ci. On va utiliser WC pour compter le nombre de caractères. On voit qu'il y en a 40. Alors 40, c'est Sha-1. 40, c'est Sha-1. Sauf que là, c'est un Sha-1 salté. Donc un Sha-1 salté. HID l'aurait dit, je pense, voyons. Bon, Sha-1, ouais. Sha-1, mais c'est un Sha-1 salté. Ah oui, le salté était là. Ah, il y a notre autre crack du coup qui a terminé. C'était un Sha-512, pour rappel. Ça s'est bien passé, ça a pris son temps. Mais ça a marché. Voilà, Waka99, celui-là il est bien. Ok, maintenant le dernier il nous donne un peu de fil à retordre. Ah, il y a un hint, j'avais même pas vu. Oh, c'est pas vrai, le hint c'est du HMAC Sha-1. C'est pas du Sha-1 salté classique, c'est du HMAC Sha-1. Ça change tout. HMAC Sha-1. Voilà. Qui égale passe, qui égale salt. Donc c'est ce format là et c'est tiré M150. Ou alors qui égale passe, tiré A pour attaque mode. Il n'y a pas assez d'infos là. Attack modes, straight combination, brute force, straight, moi je veux tirer à 0, faire tirer à 0, on va couper ça, tirer M150, curieux, ah, recovered 0, et si je mets 150, on hésitait entre 150 et 160. Recovered 1. Ah! Recovered 1. 1 sur 1. Ah, c'est ça. C'est ça le password? Bon, c'est ça. Je crois que c'est ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voyons. Oui! Donc, c'était du HMAC Sha-1. Et il y avait plusieurs modes, il y avait key, donc la clé, égale space, et c'était pas celui-là, et il y avait le mode 160, key égale salt, et c'était celui-là. GG, ouais! C'est sympa! On est bon là, on est pas mal. On est pas mal parce que, attendez, j'ai validé 1, 2, 3, 4, 5 machines. Enfin, 5 challenges ce soir. Que je voulais faire un scan and map, mais on se doute que c'est du web. Parce qu'il y a une local file inclusion, qui est une file web. On fait un search. On cherche à uploader un fichier. Hein. Home, qu'est-ce qu'il y a? View details. Ah, ça y est, on a trouvé. J'ai cliqué sur un lien. Voilà, hacking. Si je mets une page qui n'existe pas, internal server error. Si je mets point, point, point. Si je mets point, point. Alors, je vais pinguer ça juste pour voir si c'est un Linux Windows. Bien sûr, c'est pas infaillible cette technique. A priori, c'est un Linux. C'est pas infaillible, mais en général, pour empêcher. Enfin, pour changer le TTL par défaut, qui est normalement basé sur le kernel, hein,
Pour changer le TTL par défaut. Bon, bingo déjà. Pour changer le TTL par défaut, il faudrait modifier. Enfin, faudrait modifier des clés registres ou modifier. Faudrait utiliser des commandes système. Enfin, faut faire des choses qui sont pas du tout communes. Et en général, personne n'y pense. Et même si on y pense, personne ne le fait. Si on fait view, voir le code source, on le voit mieux. Alors, root password, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est super grave ça. Donc, apparemment, il y aurait un user et un password en commentaire pour le mec pour pas qu'il oublie son mot de passe. Donc, normalement, on a déjà gagné. Except, on connaît file de point slash slash slash, on connaît http de point slash slash, https, on connaît aussi ftp de point slash slash. Et ben, il y a php de point slash slash. Il y a aussi data de point slash slash. Un truc qu'on pourrait faire, c'est ça. Essayez de faire en tout cas pour voir s'il y a du PHP et voir s'il y a des PHP wrappers. Si je vais à la racine d'ailleurs, est-ce que je peux vérifier qu'il y a du PHP? Oui, il y a du PHP. Donc là, on est sûr qu'il y a du PHP. Donc je vais essayer des PHP wrappers. Alors ça ne marche pas. Il y a les PHP filter convert. Donc ça, l'intérêt, c'est du coup faire un filtre PHP pour convertir en base 64. Donc on encode en base 64 une ressource, la ressource étant un fichier. Donc je vais essayer d'utiliser ça, ce payload-là. Il ne marche pas, mais on avait vu que les chemins absolus ne marchaient pas bien. On va essayer les chemins relatifs, comme ceci. Ça ne marche pas. On va essayer... Ah oui. Je vais mettre un pourcent null byte. Non, ça marche pas. Je vais essayer de encoder comme ressource le fichier article. C'est sans doute le fichier s'appelle sans doute article, mais peut-être qu'il se trouve dans un dossier parent. Voyons. Non. Non. Si je dis .php, est-ce qu'on... Ah, merci pour le follow, Chara CR 77 20 18. Sympa. Alors, j'en étais ici. Si je fais ça, j'enlève un peu pour pas reculer trop loin. Si ça ne marche pas, c'est que le PHP filter ne marche peut-être pas. Et je vais peut-être essayer le data filter. Je veux le data wrapper. Alors, basic LFI et bypass. Ouais, nous on n'a pas besoin de bypasser. Le null byte, effectivement, ça peut servir. Encoding, on n'a pas besoin. Les RFI, peut-être qu'on va y venir. Voilà, PHP filter. Le zip wrapper aussi peut servir. On peut essayer zip de point slash slash. .jpg dièse payload.php. Ouais. Là, c'est pour accéder au fichier qui se trouve dans le zip, je crois. Je ne sais plus. Bon, c'est le data filter qu'on voulait. Ok. Voilà. Donc là, le payload, c'est data.slash/textplane base 64, virgule, suivi d'un code en base 64. Et le code en base 64, ça correspond à ça. Donc une commande injection PHP, suivi d'un echo shutdown pour afficher. Comme quoi ça a marché. Regarde s'il n'y a pas des caractères bizarres. Ça a l'air bon. Voyons. Ça ne marche pas. Donc non. Si je fais. C'était peut-être juste ça. Ça hein. C'était ces shadows au cas où, mais normal. Oh. Pff, ok. C'est la catastrophe. Alors sur les très très vieux Linux, il y a très longtemps,
on avait la possibilité d'afficher ETC Shadow avec les privilèges du service qui exécutait le serveur web, Apache par exemple et autres. Très vite, ils ont compris que c'était grave et donc ont lancé le service web avec un privilège moindre, 3wdata. Bon, admettons qu'on ait créé un serveur web super dangereux. Et qu'on l'ait lancé en tant que root, bah effectivement, dans ce cas-là, on peut accéder à ETC Shadow. Tac. On peut tout copier-coller, mais moi j'aime bien prendre juste le hash. Les deux points, ça c'est genre l'ID, des trucs comme ça. Le UID, des trucs comme ça, on s'en fout. Ce deux points d'ailleurs, on s'en fiche. On voit que c'est du $6, donc SHA-512. Salté. John the Reaper va très bien se débrouiller avec ça. Et on avait remarqué dans ETC PassWD que, a priori, le password était en clair. Dans un commentaire. Ici, Falcon Test, root password. Moi, j'ai de suite déduit qu'il n'y aurait rien d'autre que le port HTTP ouvert. Parce que je me suis dit que c'était 100% du LFI. Mais en fait non, on voit qu'il y a un port SSH ouvert effectivement. Donc je vais faire, vous voyez, on peut juste faire nmap IP, ça va très vite pour voir juste les ports basiques. Donc SSH Falcon East arrobas l'IP 10.10.196.206. Yes. Le password, ben c'est celui qu'on avait vu, c'est-à-dire root password. Et donc je tape root password. Et ça a marché. Maintenant il faut craquer. Alors who am I? Est-ce que je peux faire 4 TC Shadow? C'est marrant ça. Ça peut être vachement trompeur du coup. Ah ouais, d'accord. Il y a SOCAT. Bon, j'imagine qu'il voudrait qu'on essaye de craquer le hash de root, mais que ça va être tellement long qu'on ne va pas y arriver. Je vais quand même lancer un crack en arrière-plan, au cas où. Si ça se trouve, il y a plusieurs solutions. Donc vimcrackme.txt, coller, enregistrer, john de crackme-wordlist égale user chair wordlists rocku.txt. Et on le laisse tourner. Et combien de temps il va mettre? Bon, pas mal de temps, mais bon, il tourne, il tourne. Au cas où il arrive à le craquer, on verra. Et si jamais il n'y arrive pas, ben on va utiliser, du coup, on voit qu'on a on a droit de faire sudo socat, allant dans gtfobins. Donc, get the fuck out binaries. Et je vais taper socat pour voir s'il y est. Je vois qu'il y est. Je vais aller dans sudo, puisque c'est les droits que nous avons. Et pour avoir un shell, on peut faire ça. Il n'y a même pas besoin d'avoir un reverse shell. Juste on copie-colle cette commande et on va avoir un shell root. Je vous le prouve. Sudo de socat. Scdin exec binsh id. Et voilà. On est root. Donc, which python. Il n'y a pas python. Bon, id. Ouais, c'est bon. Je vais faire 4... Alors je vais faire ls home, cat home falcon fist user.txt, cat root slash root.txt. Bingo! Bon, première chose à faire, nmap. Je vais faire juste un nmap, sans rien. Ok, maintenant je vais faire un nmap -p-t4. Je vais enlever le tiret T4. Si ça se trouve, c'est ça qui posait des soucis. Et PN. Et voilà. Je vais rajouter un tiret SV et tiret C tant qu'on y est. Pour l'instant, on a déjà de quoi bosser. Donc il y a du FTP, du SSH, du HTTP. C'est quoi les instructions déjà? Combien y a-t-il de ports ouverts? Bon. On va dire 3, mais peut-être plus. On va mettre 3, voir si c'est ça la bonne réponse. 3. Bon, c'était ça. Du coup, le moins P moins ne sert à rien. Je vais le couper. Je vais laisser juste tirer P 21,22,80. J'aurais pu faire tirer 80,
port-80 aussi ici, pour dire port 21 et le port 22 jusqu'au port 80. C'est puissant Nmap. Bon, ici je vais aller vite, donc je vais dire juste 80. Il n'y a que 3 ports ouverts. Et ça nous va bien. Alors, on avait quoi ? 3 ports ouverts. Comment tu te rediriges toi-même vers how you redirect yourself to a secret page? Qu'est-ce que je devrais tenter ici? On a une page web. Je tente quoi là? Use your own code name en gras, donc vachement important, as user agent to access the site. Code source, c'est ça. Oula. Code source, c'est ça. Faudra lancer un GoBuster. Vérifier un robots.txt. Ok, première chose à faire, GoBuster. Pourquoi? Parce que c'est long. Et on veut que ça... Oh, on est encore en train de craquer un truc ici. Bon, clear, ls, rm, crack me. Clear. On va lancer un GoBuster. Oui. URL avec wordlist. User. Share wordlist. Dear Buster. Directory. De point medium. T. Vince Reds, on va mettre. Ça tourne. Ok, pendant que ça tourne. Robots.txt. Bien vu. Mais c'est pas ça. Bon, je vous le dis pour admin. Et c'était pas ça. Toujours robots.txt et admin. C'est vraiment les deux trucs simples qui marchent souvent et... Enfin, souvent. Qui sont faciles à voir et qui permettent... C'est vraiment des quick wins, quoi. Là, il y a des instructions. Votre user agent doit être votre propre code name pour accéder au site. Signé agent R. Donc moi, je vois que deux possibilités. GoBuster. Et effectivement, il faut peut-être jouer avec le user agent. Alors, il y aura des plugins sur Firefox comme User Agent Switcher, un truc comme ça, je pense. User Agent Switcher, peut-être. Voilà. Il y a pour Chrome, mais il y a aussi pour Mozilla. Il est là. C'est celui-là. Ouais, nickel. C'est celui-là. Ouais, mais il faut encore trouver le bon User Agent aussi, ouais. J'ai l'impression que Codename est en gras et que c'est Codename le User Agent qu'il faut. Ou alors, c'est signé Agent R. Peut-être qu'il faut signer. Il faut que le user agent ce soit agent R ou agent A, B, C, je ne sais pas. On va tester des trucs, hein. User agent, moi je vais mettre code name. Forward. Qu'est-ce qui s'est passé? As user agent. Use your own code name. Rafraîchir. Je vais mettre ça dans repeater, ça sera plus simple. Voilà. Là il dit que c'est pas bon. Si je dis... R. Pas bon. Agent R. Pas bon. Je pense qu'il faut brute forcer le agent name. 3, 4, 5. On sait qu'il fait 5 lettres, du coup. Et on se doute qu'il commence par R. Et on peut lister peut-être des prénoms qui commencent par R et qui font 6 lettres. J'ai envie de faire send to intruder. Je vais spécifier la position de user agent ici, cette position là, en mode sniper. Les payloads, je vais dire sim custom iterator. Non, on va dire brute force par exemple. J'aurais pu faire une liste dans un, ou dans un dico il y aurait toutes les lettres de l'alphabet, mais je vais faire un brute force où il y a toutes les lettres de l'alphabet en majuscule. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Et la longueur est de 1 minimum et de 1 maximum. Donc il n'y a que 26 combinaisons, il va faire chacune des lettres. Et ça... Ce payload va être injecté du coup dans le user agent. Start attack. On est en mode démo donc ça va être lent. C'est bon, finished, 26. Et je vais trier par rapport à la length
la longueur. Donc tout a donné 409, sauf la lettre C, qui a donné un forbidden, un statut 302. Non, un statut 302 found. Oula. Location agent C underscore attention.php. Ah ouais. Fallait le voir. Hein. C'est un 302 found. Et la lettre R a donné What are you doing? Est-ce que tu es un des 25 employés? Sinon, je vais reporter cet incident. Signé agent R. On n'avait pas le droit de s'authentifier comme... Ça veut dire qu'on peut accéder à cette page .php. Alors, est-ce que vous vous souvenez toujours du deal? Veuillez dire à agent J à propos de la chose dès que possible. Aussi, changez votre fucking password qui est faible. Alors, est-ce que vous vous souvenez toujours du deal? Il faut prévenir agent J. Code source, il n'y a rien. Attention Chris. Ok, Chris, c'est le prénom de l'agent C. Attention, attention Chris. Ok. D'accord. On remarque que l'agent C a le droit d'accéder à agent C attention.php. Est-ce que agent J peut accéder à agent J attention.php? wfuds-u ça. Donc http://, le site truc.php ip/agent-truc.php, à la place de la lettre on met fuds et tirer w en it sans dico.txt, enfin on va dire alphabet.txt, et dans alphabet on mettrait toutes les lettres de l'alphabet. Il y a probablement un brute force à faire avec soit SSH, soit FTP. Essayons FTP. FTP, Hydra, brute force. On tape ça dans Google, on prend le premier IP. Alors le user, ce sera Chris. Le password, ça va être user, chair, word list, rockyou.txt, on va dire. L'IP ça va être ça et on va dire SSH, mais on va brute forcer SSH mais pas que, on va être brute forcer FTP aussi, on va faire les deux en parallèle avec le user Chris. Il y a forcément un password faible. Ah ouais, vous avez vu ça? Bon, le SSH, il galère toujours. Je m'en doutais. J'aimerais bien une info. Normalement, SSH, OpenSSH, il fait des cooldowns. Enfin, c'est très galère de brute forcer du SSH. Du OpenSSH. FTP, ça me paraissait plus plausible. Et bingo. Donc, le mot de passe qui est très très faible, bah, c'était Crystal. Donc, on a réussi avec FTP à casser le mot de passe. On a Chris.crystal. On peut peut-être essayer de se connecter en SSH avec. Parce qu'on aurait eu du mal à le brute forcer avec SSH. Mais comme on l'a brute forcé avec FTP, est-ce qu'on peut pas se connecter maintenant en SSH avec? Et si c'est pas le cas, on a sûrement des fichiers intéressants à regarder avec FTP. Essayons déjà en SSH. Non, mauvais mot de passe. Donc on va essayer avec FTP. Sur l'IP, le username bah, c'est Chris et le mot de passe c'est Crystal. Dire. On a des choses. Alors, on va faire get to agent J. Get cute alien. Get cutie. Exit. Clear ls. Je vais faire cat de to agent J. Cher agent J, tous ces aliens, comme sur les photos, sont des fakes. L'agent R a stocké la vraie photo d'alien, du coup, dans son répertoire.
Your login password is somehow stored in the fake picture. Should be a problem. Ok. Votre login, votre mot de passe du login, alors il s'adresse à Agent J. Il s'adresse à Agent J. Mais c'est quoi le prénom de Agent J? Ouais. Ouais. Ouais, Jumox, stéganographie là. Assez sûr que c'est de la stéganographie. Mais il nous faut le user J. On va manquer de le username. Peut-être qu'il faudra brute forcer le username. Ouais, stéganographie. Alors, première chose que j'ai envie de faire. Afficher les images. Alors, cute alien. Et cutie. Ça, c'est un PNG. Déjà, on voit le fond avec de la transparence. Je vois rien en visuel de suite. Alors, il me faudrait Stack Solve. Stack Solve, download. CTF Tools. Je vais faire File, Open, Cutie. Et je vais regarder les palettes différentes. Donc là, on a du Xor. Alpha Play, Pain, Pain, le plan alpha. Comme c'est un PNG, il y a plein alpha, c'est-à-dire transparence. Le plan des bleus, gris, inversion des couleurs, il n'y a rien eu. Je peux faire cute alien et regardez, tiens, c'est marrant. Juste je défile en fait. Et s'il y a une anomalie, on va le voir en évidence. Ok, intéressant ce quadrillage, c'est le quadrillage d'un PNG je pense. Ok. Donc pour l'instant on n'a rien, ce que je pourrais essayer maintenant c'est regarder les strings, ls, je vais faire un string sur cutealien.jpg. Je regarde s'il n'y a pas du texte. Il y a un header gfif, on regardera aussi les headers gfif. Strings sur cutie.png. Ah, toAgentR.txt. Ok, ça pue le zip, ça. E-end. E-end, ça veut dire c'est la fin du PNG. C'est le trailer d'un format PNG. Et juste après, on a une info par rapport à un fichier TXT. Et voilà, PK, non, c'est RK. Il y a quelque part où il y aura PK et ce sera le header du zip, du fichier zip. Donc ce qu'on peut faire, ls, on peut faire binwalk. Alors je vais supprimer le fichier Hydra, là on en a plus besoin. Je peux faire un binwalk de qt.png. On voit qu'il y a du png, on voit qu'il y a du zlib, on voit qu'il y a du zip. Un zip n'a rien à faire et ce zip contient toAgentR.txt. Donc binwalk-e de qt.png ls et là on se retrouve avec qt.png extracted ls foremost qt.png. Aussi simple que ça, on fait foremost du fichier ls, il crée un dossier qui s'appelle output, on va dedans ls, il crée un dossier par type de fichier, donc dans png bah, il y a un seul PNG, mais s'il y avait eu un PNG dans un PNG, il l'aurait découpé. Il y a un dossier zip, on va dedans. Et il y a le fichier zip. Bon, ici aussi, on peut unzip le fichier. Et pareil, on récupère... Alors, unzip... Alors, il a du mal à le sortir. Parce que 7-zip, c'est l'extract. 7-zip-e pour extract, 87... yes. Enter password. Ok. Je sais pas, Toto. Crystal. Alors attendez, quit. Je quitte. LS. Il y a déjà le nom du fichier toAgentR, RM. Donc je pense qu'il y avait le fichier texte vide. Écoutez, je sais pas. Par contre, on a bien un zip qu'il faut décompresser. Bien joué, Jumox. Zip to John. Allez, zip to John. Est-ce qu'il y est par là? Ouais. Zip to John direct, sans avoir à aller dans User Chair Tool, User Chair John Tools.
Donc zip to John de ça. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, j'ai l'impression qu'il marche parce qu'il génère le hash. Par contre, il dit qu'il y a un problème avec le fichier, mais il a quand même généré quelque chose. Crack.txt, on va essayer. Crack.txt. 4 crack.txt. John de crack.txt. Retirer wordlist. User chair wordlists. OQ.txt. Si ça marche. Pourquoi il dit que ça marche pas? Ça marche très bien. Voilà, zip to John. Nickel. Alien, c'était le password. Donc maintenant, si on fait un 7-zip E du fichier et qu'on met comme mot de passe Alien, on a réussi à récupérer le contenu de toAgentR.txt. Donc on remplit sur le formulaire. Alien, c'était le password. Stack password, ben c'est ce qu'on vient d'afficher, je pense. We need to send the picture to machin as soon as possible. J'ai l'impression que c'est du base 64. Echo-n, ça, en base 64-d. Ouais, c'était du base 64, effectivement. On reconnaît du base 64 quand il y a égal ou égal-égal à la fin. Mais ça, le égal, c'est quand il y a du... on dit du padding. Là, il n'y a pas de padding, mais quand on voit des minuscules, majuscules, chiffres, on pense à du base 64, quoi. Moi j'ai pensé à ça, quoi, souvent. Alors, area 51, du coup, c'est le password. Du coup, c'est ça, le stack password. Voilà, ok. Qui est l'autre agent? Full name. Comment on peut savoir ça, l'autre agent? Il y en a plein en fait, mais stack hide c'est très utilisé et on peut utiliser avec un password. Apt install stack hide. On va faire 4 names tout court. On va faire 4 names. Alors quelque chose qui commence par J et qui fait 5 lettres. Alors, un grouping intérieur. Ok. 3, 4, 5. On est bon. Allez, home, Kali. Workdir, on va l'appeler names.txt. Ouais, on va l'appeler agentj.txt, voilà. Et ce dico, on va l'utiliser pour brute forcer avec Hydra. On sélectionne. Et prénom de 5 lettres commençant par J, brute force du username. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Alors voilà, ça, ce password, ça en FTP, qu'est-ce que ça donne? Alors ça n'a pas marché et il s'utilise de la sorte. Alors stack hide-h, non -help, voilà, stack hide. Voilà, il suffit de copier-coller ça. Hein? Donc le but c'est de tirer de la data de cutie.jpng. Je me dis il y avait déjà des trucs dedans. On va essayer cute alien tirer p avec le mot de passe area 51. Si je mets blablabla, could not extract avec cette passphrase. Avec area 51, oui, il a écrit un fichier qui s'appelle message.txt. 4 message.txt. Hi James. Ok, c'est James déjà. James. Alors, on était où? Hi James, glad you find this message. Your login password is machin. Ne demandez pas pourquoi le mot de passe est si je sais pas quoi. Pourri. Demandez à agent R de vous en faire un mieux. Signé Chris. Le mot de passe c'est Hacker Rules. C'est le mot de passe qui s'adresse à James. Donc, a priori, on devrait pouvoir faire SSH James at l'IP avec ce mot de passe.
Tac, on va essayer ça. Lire. On en trouve des fichiers TXT depuis tout à l'heure. Ils sont éparpillés un petit peu partout. Ah purée, c'est pas ça le mot de passe. Avec le point d'exclamation, on va essayer. Donc SSH James at 10.10.213.162 avec ce mot de passe. Bingo! Bien joué! Yes! Ouh! Pas mal, non? Comment est appelé l'incident de la photo? Ben, on va le download. On va le download. Est-ce qu'il y a Netcat? Oui. Ce qu'on va faire ici, on va faire, on va se transférer avec Netcat. Je vais faire un netcat-lnvp 9001 et je vais rediriger le, ce qu'on va récupérer dans ben, alienautopsie.jpg. Je suis en écoute et lui, il va se connecter. Il va faire un netcat sur mon IP de la machine attaquante sur ce port-là. Il va y foutre alienautopsie.jpg. On se les transfère avec netcat. On a vu le connect to depuis l'IP destination. LS, déjà je veux l'ouvrir. Parce que je suis très curieux de voir à quoi ressemble l'autopsie d'un alien de la zone 51. Ah ben c'est la vraie photo de Roswell. Qui avait fait du buzz. Et du coup, bon ben, exif, exif tool, tout ça. Alien autopsie. Alors exif, il donne rien. Exif tool. Ah! Ok, j'ai compris. C'était l'incident de Roswell, cette image. Donc ce qu'on doit faire, en fait, c'est un TINAI, qui est un moteur de recherche inversé d'image. On fait upload, on précise le fichier. Alors le fichier, il est là, c'est Alien Autopsy. On l'upload, il va chercher tous les sites qui référencent cette image. Et en fait, en faisant ça, on veut en savoir plus à propos de cette image. Et en fait, on va s'apercevoir que c'est un truc connu. Et c'est l'incident de Roswell, ou le monstre de Roswell. Alien? Incident? Roswell Incident? L'affaire de Roswell? Ouais, mais on est en anglais, là. Cherche Area 51. Area 51. Le Roswell Incident. The Roswell Incident. Ils appellent ça l'incident de Roswell. Alors, on a combien de lettres là? 3, 4, 5, 6, 7. Roswell, ça prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lettres. Incident. 3, 4, 5, 6, 7, 8 lettres. Nous, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5. 7 lettres, puis 5 lettres, puis 7 lettres. Roswell Alien peut-être 1, 2, 3, 4, 5 A-L-I-E-N 5 Roswell Alien Incident peut-être 3, 4, 5, 6, 7 I-N-C-I-D-E-N T Roswell Incident Roswell Incident. Mais c'est ça, c'est l'incident de Roswell. The Roswell Incident. Y'a pas un indice, non. Si, y'a un indice. Ah, dans l'indice, ils disent de se référencer à Fox News. Donc je pense que Fox News l'a nommé un petit peu différemment. Donc si je tape Roswell Incident Fox News... News. Reveals how the faked infamous
Ah, ça y est. Roswell Alien Autopsy. On n'était pas loin en plus avec Jumox parce que Roswell Alien Incident. 3, 4, 5, 6, 7 lettres. C'est bon, c'est ça. Roswell Alien Autopsy. Ouais, c'est sûr. Je vais valider ça et on va voir. Bingo! C'était ça. Et on finit avec la Privilege Escalation. Il est temps de revenir à la réalité. Quelle est la CVE nécessaire pour l'escalation de privilège? L'escalade de privilège. Je peux littéralement. Ah, c'est quoi le point d'exclamation déjà? Roll. Ah oui. Ah oui, d'accord. Je peux. Ok. Ok. Ça veut dire que je peux exécuter en tant que n'importe qui. Excepté route, il me semble. Je peux lancer ce bash en tant qu'un autre user, excepté route. Et il y a eu une faille il n'y a pas longtemps qui bypassait ça, qui permettait de lancer ça quand même en tant que route. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, je me souviens. En fait, on a tous un user ID, ça peut être 500, 1000, 1001, plein d'autres trucs. Et si on précisait un user ID à moins 1, ça faisait un integer underflow et ça bypassait le check du sudoer. On a un exploit ici. 1.8.20, sudo 1.8.27. Un moyen simple de le vérifier, c'était de faire un sudo-v majuscule, je crois. On voit qu'on est en 1.8.21 et 2 au lieu de 1.8.27 et vulnérable. Tout ce qui est en dessous de 1.2. Il s'est gouré, hein. Il voulait mettre 1.8 ici. Le bug est réparé depuis sudo 1.8.28. 1.2.28 du coup. Ici il y a une faute. C'est fou de faire un exploit aussi stylé et de se couper ça. Bon, sudo-u dièse moins 1 bin bash. On essaie ça. C'est ça le POC. Le proof of concept. La preuve de concept. Allez, moment de vérité. Et oui! Oui! On est route! Et bim! 4 route, route.txt. To Mr. Hacker, congratulations on routing this box. Toujours mettre à jour ces machines. Votre flag est ça. By Deskel, aka Agent R. Yes, GG, merci. Oui! Correct. Et l'agent R bonus, ben, je sais pas pourquoi ils l'ont mis bonus, parce qu'on l'a là, de toute façon. Il s'appelait Deskel, donc on l'aurait jamais deviné, du coup, vu qu'il s'appelle. Ça commence pas par R. Enfin, on va voir, c'est peut-être pas ça le truc, mais je pense que c'est ça. Et ouais.